Bonjour, moi je m'appelle Camille et je suis à l'ENSET en deuxième année en mécanique des flux d'énergie et environnement. Je m'appelle Margot, je suis en première année, donc dans la même filière. Je suis Thomas Jourdain, je suis actuellement en deuxième année à l'UNSC. Je m'appelle Sarah Harrison. Moi j'ai fait l'ENSERP MedMeca, je suis diplômée de l'ENSERP depuis 3 ans maintenant. Bonjour, alors moi je m'appelle Laura et je suis à l'ENSIA7 en filière matériaux. Et moi c'est Andrea et je suis en filière génie industriel à l'ENSIA7 à Toulouse. Alors, faire une prépa tout court, quelqu'un qui veut pas se fermer de porte, donc la prépa c'est quand même pas simple, même en prépa intégrée, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est plus facile, mais en vrai, non. Mais du coup, ouais, qu'il faut quand même avoir un bon niveau et être prêt à s'accrocher surtout. Mais... Ben, je dirais que c'est à tous ceux qui soit ont une idée très précise de l'école d'ingénieur qu'ils veulent aller, donc dans ce cas, faire une prépa intégrée très classique, type CPBX, ou alors ceux que ça stresse l'idée d'avoir des concours. Je conseillerais aux personnes qui ont la pression des concours, on va dire, et qui sont de très bons élèves en contrôle continu, d'aller vers la prépa intégrée, parce que c'est un cursus qui nous correspond tout à fait, et on peut tout à fait réussir sans faire de concours, et au final on sera au même niveau quand on arrive en école d'ingénieur. En vrai, faut qu'ils disent qu'ils sont beaucoup mieux traités que beaucoup de gens en prépa classique. Et ça, on s'en rend pas compte quand on est ici, mais on a beaucoup d'aide, les profs ils sont vraiment derrière nous. Prendre le temps de trouver son organisation, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, ça roule tout seul, d'être constant dans son travail, le week-end de pas relâcher et de travailler pas forcément longtemps, mais surtout efficacement. Parce que si on fait ça, on arrive à se trouver du temps libre à côté, du coup quand même à sortir avec ses amis. On arrive quand même à faire encore beaucoup de sport, je trouve, à la prépa. On a déjà du sport obligatoire, mais en plus, on a le temps de faire du sport le week-end. Surtout qu'on n'a rien le samedi matin, du coup, comparé à la plupart des CPGE. Ouais. C'est important de s'entraider en prépa. Ouais. Et qu'ils apprécient aussi d'avoir, malgré tout, d'autres matières que des sciences. On a quand même l'obligation de garder une LV2. Et en fait, c'est une richesse, parce que quand on arrive en école d'ingé, on est obligé, enfin, pour beaucoup d'écoles d'ingé, on est obligé d'en garder une. Et du coup, il y en a qui repartent à zéro en espagnol, alors que nous, on a pu garder. Et puis, on a un grand choix avec l'Université de Bordeaux pour commencer même d'autres LV2. Je suis contente d'avoir fait la prépa des INP parce que ça m'a permis de ne pas me tromper sur mon choix d'orientation et sur les filières. Et puis, de découvrir aussi les écoles qui... J'ai plus appris en prépa des INP sur les écoles auxquelles on préparait qu'en prépa normale. Moi, du coup, ce que je retiens, c'est que pareil, je suis arrivée en prépa parce que j'avais des bonnes notes au lycée, que je savais pas trop quoi faire après, que ça restait quand même assez large. Et au final, c'était pas facile tous les jours, mais je pense que ce qu'on a surtout trouvé, c'était une famille. Enfin, moi, je considère vraiment le CPP comme une famille parce que je trouve qu'on est tous soudés. On essaie de garder le contact au maximum, même si c'est pas toujours facile. Et enfin, là, quand on se retrouve, enfin, c'est super naturel.